Salut tout le monde, c'est Alex Chaud, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le contre-la-montre RC Panzito de la semaine qui est celle du chantier numéro 1. Comme le contre-la-montre basique, c'est doublé cette semaine. La récompense est de 200 000 $ au lieu de 100 000. Donc, le temps à battre est de 1 minute et 50 secondes. Alors déjà, il faut savoir que ce contre-la-montre-là est quand même compliqué. Il n'est pas si simple que ça parce qu'en fait, il y a énormément d'éléments à esquiver. Il faut passer souvent entre plusieurs éléments. À certains moments, on ne sait pas vraiment où aller, même si les checkpoints l'indiquent. Donc, il faut vraiment quand même bien se concentrer. Aussi, à certains moments, il faudra monter des sortes de planches en bois. Donc, des planches en bois qui montent. Et à ces moments-là, ce que je vous conseille, c'est de lâcher l'accélérateur. On va dire que c'est la base, c'est le secret. Du RC Banzito, c'est mieux de lâcher l'accélérateur que de freiner. Mais si à certains endroits vous devez impérativement freiner, faites-le. Bien évidemment, il ne faut pas non plus tout le temps que désaccélérer. Il faut aussi freiner quand il y a besoin. Mais le plus souvent, comme je vous ai dit, je vous conseille de lâcher l'accélérateur. Lors du tournant, je vous conseille aussi de lâcher l'accélérateur pour éviter de vous prendre un élément et du coup vous cacher la course. Ralentissez donc un peu avant le tournant en question, à part si vraiment le tournant est large, là il n'y aura pas besoin. Comme par exemple ici, comme vous voyez, j'ai freiné parce que je devais freiner et aussi ici parce que c'était risqué. Comme vous voyez, je roule vraiment doucement, je ne prends pas de risque et c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu réussir. Comme je vous ai dit, c'est ces planches en bois qui sont risquées, donc vraiment faites attention. Faites aussi attention parce que le RC Banzito a vraiment, vraiment tendance à déraper. Même si vous faites une toute petite erreur, il peut vraiment déraper très vite. C'est un peu le défaut du RC Banzito, mais bon, c'est un véhicule électrique, ça ne peut pas non plus se manier pareil qu'un vrai véhicule. Voilà, comme vous le voyez, il y a vraiment plusieurs éléments avec lesquels vous risquez de faire un petit accident. Vraiment, pas besoin d'aller tout le temps à fond. Comme je vous ai dit, c'est le secret du RC Banzito pour bien le manier et réussir le contre-la-montre. Même si vous ne réussissez pas du premier coup ou même du cinquième ou plus, c'est pas grave. Le RC Banzito est très difficile à manier, il faut quand même un peu d'entraînement. Mais une fois que vous avez trouvé le truc, vous verrez, vous ferez tous les contre-la-montre du RC Banzito quasi du premier coup tout le temps. Donc voilà, lâchez pas prise et vous réussirez le temps. Petite chose que j'ai failli oublier, normalement je dis à chaque début de vidéo, pour le réaliser il faut posséder le RC Banzito et si jamais vous ne l'avez pas, cette semaine il est en solde à 950 000 $. Donc si vous avez les moyens, prenez-le, vous allez très très vite le rembourser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un maximum à réaliser ce contre-la-montre RC Banzito de la semaine. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker pour le référencement, c'est très important. Et à vous abonner si vous me découvrez grâce à cette vidéo pour ne rater aucune future vidéo de ce genre sur GTA 5 Online. Moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Bon jeu à tous, prenez soin de vous. Ciao ciao.